Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. Plancontemusique 91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bas et les airs, John, on dit moi gop à mon gond, on dit flocop à floco, disons-nous les choses aujourd'hui, je suis entouré d'hommes et de femmes. De sacrés hommes, de sacrées femmes. D'habitude, je présente les gens, mais je vais les inviter à se présenter. Je suis à ma droite. Dibi Magasa, créateur de contenu, entrepreneur. Je suis dans la communication, je suis dans l'événementiel, je suis dans le développement de business. Je fais pas mal de choses entre la France et l'Afrique. Mmh. Et je suis aujourd'hui dans tes locaux pour débattre avec toi de sujets qui nous concernent tous. On a discuté par audio et finalement, nous sommes là. Mmh. À ta droite. Fujie Sissoko, humoriste, comédien, acteur. Je me suis lancé en 2017 sur les réseaux sociaux. J'ai tout pété. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelques films. Et là, maintenant, je suis humoriste. Je joue mon spectacle tous les samedis. Et voilà. T'as écouté sur Génération, jadis. Ouais, j'ai fait de la radio aussi, j'avoue. Ouais, j'ai fait de la radio. J'ai fait des interviews. J'ai fait pas mal de choses sur les réseaux sociaux ou en dehors. Et merci pour l'invitation. Merci à toi, Denis. Merci pour l'accueil aussi, et on va débattre. Mmh. À droite, Penda. Penda Banadumbia, journaliste chroniqueuse, mmh. Ancienne collègue de Fodji Sissoko, mmh. Collègue de Booba. Mmh. Je travaille entre le Mali et la France, dans tout ce qui est univers artistique. Merci. C'est à mon tour. moi c'est Niara, je suis créatrice de contenu pour les entreprises et les marques et fondatrice du média business Nali Disso. Fodier Marega. Moi c'est d'ailleurs t'abuses. Fodier Marega, MC dans les temps perdus, hustler, comme j'aime bien le dire, et je suis cofondateur du média Togetherview. Et on présente notre émission Business Street Work, qui est un média qui met en amont, enfin en exergue des entrepreneurs qui viennent de la street. Et c'est déjà bien comme présentation, je crois. Mmh. Aïssé Ndiaye, créatrice de la marque Africanista, une marque de prêt-à-porter qui promeut, qui valorise les cultures africaines et célèbre la mixité culturelle. Avec un fort accent sur la culture subsaharienne en Afrique de l'Ouest. Et je suis également à la tête du média Histoire d'immigrés, qui est un média qui célèbre l'immigration africaine en France par ses enfants et leurs parents. J'aime beaucoup ton média. Il me parle. Il nous parle. Il nous parle. Jadis, dans les années 60, 70, 80, 90, les Africains de l'Ouest subsahariens, entre autres Maliens, Sénégalais, Guinéens, Mauritaniens, Gambiens, pour ne citer que, dont la conscience collective était associée, entre autres, aux clichés suivants. Ils font beaucoup d'enfants, ils sentent le tchouraï, l'encens de l'Afrique de l'Ouest. Les mamans Westaf sont vêtues de pang, elles parlent un charmant français approximatif, portent leur bébé sur le dos, attaché avec un pang. Les papas sont vêtus de boubou. Lorsqu'ils se croisent, c'est à base de longs bonjours, de longues salutations, de longues prises de nouvelles de presque toutes leurs arbres généalogiques. Les mamans Westaf vendent des pastels, des beignets, du jus de gingembre, du jus de bissap, mmh. Des glaces à l'eau, dehors, au sein même des quartiers, entourés de leurs enfants en bas âge qui courent partout. Lorsqu'ils ouvrent les portes de leur domicile, se dégage une odeur de mafé, de yassa, de chou, de skupanja et ou de geji. J'ouvre la parenthèse, le geji est un poisson salé séché naturellement au soleil et fermenté, très utilisé pour relever le goût de certains plats incontournables.
dans la très célèbre recette du Tchebujen ou du Shpukanja. Une forme avec le Yeti, des ingrédients miracles de la cuisine sénégalaise. Les Congolais ont le Makayabu. Big up à Mr. C. Bonne toute tête toujours dispo sur toutes les plateformes. Nous, on a le Getchi. Je ferme la parenthèse. Bref, ces Africains de l'Ouest appelés aujourd'hui des Westaf étaient associés à un certain nombre de clichés à l'image du film Black Micmac dans les années 80 que la plupart des Westaf ont regardé en famille, ont kiffé en famille car c'était le seul film qui parlait un peu d'eux. Big up à monsieur Isaac de Bankole, j'aimerais bien t'accueillir ici. Dans les années 90, les Westaf, comme on les appelle aujourd'hui, ont continué à faire l'objet d'un certain nombre de clichés à l'image de ces célèbres phrases qui furent évoquées par un certain nombre de rappeurs des années 90, prononcées par ce défunt ancien président du nom de Jacques Chirac le 19 juin 1991, alors qu'il était le président du RPR à Orléans. Ce monsieur prononça les phrases suivantes. « Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne 15 000 francs et qui voit sur le palier en bas de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses, une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Et si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. » Petit retour historique, dans les années 90, bon nombre de quartiers banlieues parisiens avaient une population à dominante maghrébine. Début des années 2000, bon nombre de Maghrébins quittèrent les quartiers banlieues parisiens pour aller vivre dans les zones pavillonnaires, souvent à proximité de leur quartier d'origine. Début des années 2000, pour des raisons politico-socio-économiques, nous assistions à une arrivée plutôt massive d'une population malienne. Bon nombre de quartiers banlieues parisiens furent donc habités par une population à dominante malienne. Bon nombre de quartiers banlieues parisiens devinrent donc majoritairement noirs. Leur population était souvent constituée de familles nombreuses, voire très nombreuses. Un papa, plusieurs mamans, de nombreux enfants. Le record que j'ai vu, c'est un papa, trois mamans, 21 enfants. Bien loin du schéma traditionnel de la famille française dite de souche, mais ceci est un autre débat. Dans les années 2000, tous ces petits et petites, issus de grandes fratries, qu'on calculait à peine, parfois, grandir entre culture africaine et culture française. Mais à la différence de leurs aînés issus des années 70 et 80, ils constituèrent fin des années 2000, début des années 2010, la culture dominante dans les quartiers. Culture qu'ils vécurent, qu'ils exposèrent avec fierté, grâce entre autres à l'avènement des réseaux sociaux. Ainsi, nous vîmes, nous assistâmes à l'émergence d'une nouvelle génération de Westaf, qui a rendu hype le fait d'être Westaf. Ma question est donc la suivante. Est-ce la revanche des Westaf? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Comme tu as si bien dire. Qui veut prendre la parole? Je t'en prie. Bah écoute, pour répondre à cette question, oui, c'est la revanche des Westaf parce que au niveau de l'histoire de l'immigration africaine en France, bah, nos papas Westaf, ils sont arrivés dès la fin des années 50, pendant les Trente Glorieuses. Et ils ont longtemps habité dans les foyers de Nakotra. Après, ils ont fait venir leurs femmes à travers le regroupement familial. Après, nous sommes nés. On a vécu dans un premier temps à Paris, parce qu'il y a beaucoup de familles Westaf qui ont vécu dans un premier temps à Paris, dans des logements insalubres, souvent dans le 18e, 19e, 20e. J'en avais dans la famille aussi. Et après, au début des années 90, on nous a tous jartés en banlieue. Et en banlieue, ouais, on a commencé à créer un petit peu bah, cet écosystème qu'on retrouve au bled, c'est-à-dire de se retrouver entre familles maliennes, mauritaniennes, sénégalaises, entre ethnies en fait. Donc c'est un communautarisme où les gens se sentent chez eux. On a l'impression que c'est un esprit de village, mais en fait, les gens face au déracinement, bah, ils ont tenté de survivre en fait. Ils ont tenté de survivre et puis nous, leurs enfants, bah, on a vu aussi comment c'était de vivre en communauté Westaf, etc. Et il y avait de l'entraide, il y avait de la solidarité, il y avait du partage. On partage les mêmes soucis, les mêmes problèmes, le même quotidien. Et voilà quoi. Moi j'ai grandi dans ça. Je suis né et j'ai grandi à Paris. Et à l'adolescence, avec mes parents, on a débarqué à Clichy-sous-Bois. Et pour moi qui avais vécu avec des Blancs, des Rebeux, des Asiatiques dans le 11e, et me retrouver à Clichy-sous-Bois avec des Maliens, des Sénégalais, mais surtout des Maliens,
Parce que c'est vrai qu'au début des années 90, moi, pour ma part, par exemple, il n'y avait que des Turcs et des Rebeux. Et au milieu des années 90, il y a une invasion de Maliens qui est arrivée. Et c'était le bonheur absolu parce qu'on faisait des baptêmes, des mariages et tout. Et je pense que ça a beaucoup aidé nos parents à tenir face aux difficultés de la vie en France, de vivre entre eux, de vivre en communauté. Et même pour nous, de grandir avec des gens qui nous ressemblent, bah, c'était cool jusqu'à présent. Mes parents vivent encore à Clichy-sous-Bois et toutes les tantines et les tontons qui sont là-bas, bah, ce sont mes darons et mes daronnes aussi, quoi. Donc on a vécu avec ça et c'est vrai qu'avant, c'était honteux. Moi, j'avais honte quand j'étais petite de m'appeler Aïssé. J'aurais voulu m'appeler Fatoumata, parce que dans les années 80, c'était Fatoumata et Mamadou. Mais j'ai jamais eu honte d'être soninké. Moi, je suis soninké, j'ai jamais eu honte, parce que mon père il nous a inculqué cette fierté d'être soninké. Et pourtant, je viens d'une famille de 14 enfants. Mon père, il est polygame, il a deux femmes. Mais on n'a jamais souffert d'être soninké ou quoi que ce soit. Les soninkés, vous êtes comme des Algériens. Ils sont comme nous. On est plus nombreux. Non, mais moi, je voulais d'abord savoir tous comment vous avez grandi, dans quel environnement, dans quel milieu. Parce qu'il y a beaucoup de clichés aussi autour des Westaf. Donc peut-être que notre vécu peut être différent. Donc j'aimerais savoir. Bah, moi, c'est bon, pas exactement comme Aïssé, mais vraiment, j'ai grandi à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Mes parents sont... Mon père, il est venu dans les années 70, enfin fin années 60, début années 70. Ma mère, elle est venue dans les années 80. On a toujours habité dans le Val-de-Marne. Quand je prends un peu, moi, les gens avec qui j'ai grandi, les Maliens surtout, on a tous habité dans des logements, comme tu dis, insalubres. C'est-à-dire que si je prends aujourd'hui, c'est des immeubles qui n'existent même plus à Ivry. Et c'était dur. Ça a été dur. Moi, des fois, quand je parle à mes parents, j'arrive à faire un peu la genèse de leur arrivée. D'abord, mon père était dans un foyer, il a fait venir ma mère, ils étaient hébergés chez un oncle à moi, puis mon père a eu un appartement, et ça a été dur déjà pour ma mère. Moi, des fois, quand j'écoute ma mère, qu'elle m'explique qu'elle a fait directement village France. C'est-à-dire que... tu vois village France, c'est-à-dire qu'elle a même pas eu le temps de voir un peu comment Bamako était directement à la terre en France. Et c'était dur parce que tu débarques, tu ne connais personne. À l'époque et tout, je crois qu'elle a... le frère de mon père qui habitait à Ivry aussi, sa femme est arrivée 4 ou 5 mois après, donc elle a été seule. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle était contente de voir aussi des mamans qui lui ressemblaient. À l'époque, il n'y avait que des mamans soninkées. Moi, ma mère, aujourd'hui, elle parle soninké, vraiment comme si elle l'était, mais elle le parle surtout parce qu'en gros, pendant toutes ces années-là, elle a vécu avec des mamans soninkées. Et voilà, elle, c'était, voilà, elle arrivait, elle découvrait. Mon père travaillait, c'est vrai que ma mère, elle est seule, elle reste seule à la maison. Le papa, il est au travail, tu sais pas quoi faire, tu découvres. Pour toi, c'est un nouveau monde, toi, c'est l'inconnu. Elle a la chance de connaître, bah, d'autres mamans. Qui se sont rapprochés parce que tu avais des voisines, etc. Des fois, quand tu sors, tu vas croiser des mamans, ça se pose au parc, ça discute, d'où tu viens, etc., etc. Après, il y a eu une sorte d'entraide qui s'est créée entre les mamans et ça leur a permis, voilà, de créer ce petit mouvement entre elles qui leur a permis de survivre, d'accueillir les nouvelles qui venaient parce que c'était cette période où il y avait beaucoup de mamans qui venaient dans les années 80. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et moi, nous, quand on est venus au monde, etc., ben voilà. Après, nous, on a grandi dans... Enfin, tout le monde n'a pas connu ces difficultés-là, mais moi, je sais que nous, ça a été très, très dur pour nous. Et tous mes amis d'enfance, Renaud, entre guillemets, avec qui j'ai grandi, ça a été la même chose. Ils ont vécu dans des logements qui étaient très, très souvent insalubres. Souvent, tout le monde dormait dans la même chambre. Souvent, il n'y avait pas de sanitaire, etc., etc. Aujourd'hui, nous, les aînés, on a vécu des choses que les derniers n'ont pas vécues. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Et même pour te dire, là, il y a quelques mois, je suis repassé devant l'immeuble dans lequel j'ai grandi, qui est censé ne plus être occupé, mais en fait, je crois qu'il y a des squatteurs qui l'ont ouvert, ils sont partis, et je suis rentré par curiosité. Je suis rentré, j'ai snappé, j'ai enregistré, j'ai montré l'immeuble à ma mère. Elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle me disait « Ah !» C'était là, je suis même passé devant notre porte où on a vécu le couloir parce que les sanitaires étaient à l'extérieur, donc ça leur a vu plein de souvenirs et tout. On a dit, on revient de tellement loin. Aujourd'hui, je suis content, toi. C'est même quand je raconte à mes petites sœurs, les dernières, et même qui a la chance d'avoir sa chambre directement et toi, alors que nous, on vivait tous ensemble dans la même chambre, ça a été compliqué. Et la plupart de mes amis avec qui j'ai grandi, ils ont vécu, dans cet environnement-là.
Je pense que ça nous a forgé. Et voilà, c'est une expérience qui nous a permis, moi, je pense, d'être encore plus fort pour affronter le monde qui s'est ouvert à nous. Là, tu m'as rappelé des souvenirs. Mon frère Faudet, on dormait dans le même lit avec mon frère Mohadi. Mmh. Il se mouchait avec la couverture. Non, les pieds, voilà, il coulait ses pieds à mes pieds. J'ai dit, mais arrête-toi. Les superposés, c'est un les lits superposés, là, on a tous connu. Surtout quand on te tapait dans les lits superposés. Hein. T'as vu, t'es ce qu'il veut comme ça avec l'échelle, là, tu vois. Les lits superposés, c'est notre confessionnal. Ouais. Yeah. Moi j'ai grandi à Grigny. J'étais vu grandir. Voilà, Bouba, c'était mon animateur. Depuis que j'ai 10 ans, à peu près, 10-11 ans. Et on a tous à peu près, je trouve, le même parcours. Mais moi, je pense que le petit avantage qu'on avait, c'était que... mon père, il est venu dans les années à peu près 80. Ma mère, elle est venue après, juste après. Mais la petite différence, c'est que moi, ma mère, en fait, elle a grandi à Bamako. Mmh. Elle est née au village, mais elle a grandi à Bamako et elle est également aussi allée à l'école. Mmh. Ce qui fait qu'elle savait lire et écrire, donc moi, contrairement à d'autres familles maliennes, après moi je suis bambara, contrairement à d'autres familles maliennes, on n'avait pas ce souci avec toutes les paperasses administratives. Mmh. Oui, les parents ne savent pas forcément lire, donc c'est compliqué. C'est nous, les jeunes, dès 7-8 ans, on doit essayer de déchiffrer. Enfin, nous, on n'avait pas ce problème-là parce que, voilà, Dieu merci. Ma mère, elle savait lire et écrire. Après, franchement, on a tous grandi pareil, hein, superposés, on partage les chambres pareil. C'est quand nous, on est partis que les dernières, elles ont pu avoir leur chambre, etc. Même en termes d'éducation, quand là, je vois mon père, il est trop laxiste et que nous, on s'est bien fait, voilà. Je trouve que, voilà, après, moi, dans l'ensemble, enfin, on va dire, dans notre immeuble, on n'était que des Renois et des Rebeux. Après, nous, on était la seule famille malienne, la seule famille nombreuse également. Mmh. Bon, du côté de ma mère, on est 10. Après, mon père, il a eu 14 enfants, mais on n'a pas grandi. Tous les enfants, on n'a pas grandi ensemble. Donc, dans l'ensemble, c'était cool. Et moi, personnellement, je n'ai pas ressenti forcément de souffrance. Après, c'est vrai, on n'avait pas forcément tout ce qu'on voulait. Mais si je dois comparer à certaines situations, franchement, dans l'ensemble, on était bien. On mangeait à notre faim. On était bien habillés, enfin, de façon correcte. On n'a pas forcément trop souffert. Il fallait juste bien travailler à l'école, emmener des bonnes notes. Sinon, on savait aussi ce qui allait se passer. Donc voilà, moi, je trouve que dans l'ensemble, c'était pas... Et juste remarquer que mon père, il avait vraiment cette attache à l'école-là parce qu'il n'a pas eu cette occasion-là et cette chance d'aller à l'école. Contrairement aussi à ma mère. Après, ma mère n'a pas fait de longues études vu qu'il fallait se marier. D'ailleurs, même ma mère, elle s'est mariée tard. Selon eux, à 19 ans, parce qu'avant, c'était 15, 13 ans, par là. Mais du coup, il avait cette attache, c'est-à-dire que nous, les 4-5 premiers, on a quasiment tous fait des longues études, maximum jusqu'au bac plus 5, mais on sent qu'avec les derniers, ils ont plus ce choix-là. Alors que nous, en fait, on n'avait pas forcément ce choix-là, parce qu'on savait qu'on était les premiers, donc il fallait montrer l'exemple, etc., etc., donc... T'as oublié que vous veniez vous faire tresser chez ma mère. Ah oui, c'est vrai. Oublie-moi ça, là. En fait, nous, la tête, elle passait chez maman. Oui, ça a tellement nous coiffé, nous garder aussi. Elle vient nous chercher à l'école, c'est vrai. Moi, ma mère, elle a toujours travaillé, par contre. À part quand... Et encore, même quand elle était enceinte, ma mère, elle travaillait vraiment jusqu'au bout, parce que c'est les petits métiers, hein, le ménage, etc. Donc, on sait que c'est pas payé de fou, en termes de congés aussi. Enfin, voilà. Donc, pour avoir le maximum, on va dire, d'argent ou avoir un bon salaire, elle continuait à travailler même à 8, même 9 mois de grossesse. Et du coup, ce qui fait que, au début, elle faisait garder Jiggy et ma grande sœur chez des nounous, mais ça s'était mal passé. Donc, en fait, nous, on a appris à se garder entre nous. C'est-à-dire que même quand on était en primaire, collège, dès qu'on finissait tôt, on savait qu'il fallait rentrer à la maison parce que fallait garder les petits. Et pareil, quand ma mère commençait le travail super tôt, 4h du matin, et mon père, c'était 3h du matin, ce qui fait que nous, notre sommeil, il était coupé. Elle nous réveillait, il fallait qu'on surveille les petits, qu'on leur donne à manger, etc. Donc, nous, les plus grands, on a eu ce côté un peu où on était des deuxièmes mamans. Et pareil, on jonglait entre l'école. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas trop sortir dehors avec les copines, on ne pouvait pas traîner. Fallait... En fait, quand maman, elle n'était pas là, fallait prendre le relais. Et pareil, quand je me souviens, quand j'avais 16 ans, je sais que mes deux parents, ils étaient partis au bled.
parce que nous, les Bambara, on a une fête qu'on appelle Coursita pour les garçons. Et ils étaient partis faire ça pour mon grand frère. Et du coup, ma mère, elle nous avait laissé, donc j'avais 16 ans. Et mon petit frère, Bradama, maintenant, qui a 14 ans, il n'avait même pas un an. Donc, elle est partie, elle me l'a laissé avec toutes mes sœurs. On était... Bon, à l'époque, on était 9, parce qu'après, bon, il y a une petite qui est arrivée encore. Et on était restés, ouais, 6 à la maison. Et du coup, pendant 2 semaines, ben, c'est moi, je devais m'occuper, donc faire à manger, changer les couches, faire attention, etc. Comme il a 1 an, il faut donner de la nourriture, pas trop grosse. Enfin, bref, voilà, il fallait faire attention. Et quand, par exemple, je dis à ma mère, mais est-ce que tu referais la même chose ben, avec mes petites sœurs? Elle a dit, ah non, c'est mort. Parce qu'ils n'ont pas cette, la même maturité que nous, en fait, les premiers, quoi. Donc, voilà, après, moi, dans l'ensemble, franchement... Que des bons souvenirs pareils, centre aéré avec Bouba, etc. Mais tu m'as appris que ma mère venait vous chercher à l'école, ça je ne savais pas. Je vais en discuter avec elle ce soir. Il me semble, hein, parce que nous on a beaucoup. Enfin, les mamans elles s'entraidaient entre elles. Hein. Si une pouvait dépanner, parce que ce n'est pas toutes les mamans qui travaillaient. Et comme moi, ma mère vraiment, elle a tout le temps travaillé, ce qui fait qu'elle a 2 heures par-ci, après elle a 3 heures de trou, et ça tombe au moment où nous on rentre de l'école, elle ne peut pas venir nous chercher. Donc. Elle nous confie un petit peu à toutes les mamans qu'on appelle ben, nos tantes, quoi. Donc, mais si, ta maman, bon, ta maman, elle a fait beaucoup de choses pour nous. on va pas le nier. Moi, j'ai grandi dans le Val-de-Marne à Thiers. J'ai toujours grandi là-bas. Après, bon, moi, mes parents, c'est assez spécial. Hein. Comment dire, moi, ma mère, elle est née ici. Elle est née ici dans le 12e. Elle et tous ses frères, ils sont nés ici. Après, mon grand-père, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a pris toutes les affaires et toute la famille est repartie au Mali. D'accord. On sait pas ce qu'il a fait à la banque ou je sais pas, mais en tout cas, on est tous repartis. il y avait plus de la famille ici. On est tous repartis. Ma mère, elle a rencontré mon père là-bas au Mali. Et du coup, la famille n'était pas trop contente, enfin, pas content je sois en train de commencer à vivre dans son ventre, parce que c'était pas, comment on dit ? C'était accidentel ? Hein ? C'était accidentel ? Non, enfin, si on veut, voilà, dans le papier c'est accidentel, mais voilà, enfin, en gros, la famille n'était pas trop d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Enfin, du côté du papa et du côté de la maman. Du coup, mon grand-père, il a dit, bon, tu vas en France, alors qu'elle était enceinte. Je suis né en 92, et elle est arrivée ici toute seule. Ensuite, elle a rencontré mon beau-papa, qui, moi, je croyais que c'était mon père. Ça veut dire, je m'appelle Sissoko, mais à la base, c'est Djoumassi. Lui, Sissoko, c'est parce qu'il n'avait pas de papier. Du coup, ma mère, elle a fait, et pour les parties voir le gouvernement, je sais pas quoi, là, on a dit, ouais, regroupement familial. J'ai pris son nom, il a eu ses papiers, et du coup, ils se sont installés ensemble, et j'ai grandi avec ma mère qui enchaînait elle faisait 2 tafs, et mon beau-père qui taffait aussi. Et voilà, j'ai grandi dans un quartier tranquille, hein. C'était une petite cité, on était quoi, il y avait 2 familles de Maliens. Après, il y avait toutes les nationalités, moi, dans mon quartier. Il y avait plus d'Arabes que de Renois. Après, moi, j'ai eu une enfance très spéciale. Hein. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai... Déjà, t'es bien rentré. Ouais, je suis rentré, mais il faut... Voilà, là, ça suffit. non, en vrai, ah, mais merci de nous livrer tout ça. Après, je n'ai pas de mal à me livrer, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de... Moi, je n'ai pas de mal à parler de ça, mais j'ai pas envie que les gens soient choqués et disent « Ah ouais, non !» Tu vois, donc on va passer les détails. Mais ce que je dirais, c'est que ma mère, la France l'a beaucoup fatiguée. L'a beaucoup fatiguée dans le sens où... quand t'es avec quelqu'un qui t'aide pas forcément, au final t'es comme une maman célibataire, tu vois. Et du coup, moi, très très jeune, j'ai dû avoir des responsabilités, parce que j'ai eu des petits frères. C'est-à-dire, dès la 6e, je m'occupais de mes petits frères comme si, comme si c'était mes enfants. Ce que tu dis là, les trucs de remplir les feuilles d'impôt. Ma mère, elle savait lire, écrire et tout, hein, mais mon beau-père... pas du tout, donc ces trucs, je le faisais à lui.
c'était conflictuel entre eux, c'était toxique. Mais ils ont essayé de, comme ils peuvent, de nous éduquer. On va dire, moi, j'étais un petit peu celui qui venait pas de leur union, donc j'étais un petit peu celui de côté. Mais avec les petits, ils ont plus ou moins réussi, je dirais. Mais il y a encore des petits paramètres à régler, quoi. Mais ouais, ça a été... En vrai, ça a été... moi, pour moi, c'était très drôle. Avec du recul, sur le moment, c'était pas... C'était un peu... C'est... Voilà. Bref, en tout cas... en gros, ma mère, elle a grandi dans le 7-8, tu vois. Genre, elle parle en mode wesh-wesh. elle fume des clopes et elle s'est mise avec un mec, c'est un vrai blédard. Tu vois, ça veut dire que le conflit, c'était tous les jours. Elle allait dans la cuisine, elle fume sa clope, il dit, éteins là, tu vas-y, ferme ta gueule, tu vois. c'était ça à la maison. Donc, en vrai de vrai, c'était toxique, mais genre, ça m'a forgé de fou, tu vois. Ça m'a. Genre. C'était quelle étude ? Elle était à la Verrière. Elle a grandi à la Verrière. J'ai de la famille là-bas. Ouais, elle a grandi là-bas. Et voilà, ils étaient tous là-bas. Et comme je dis, mon grand-père, il les a tous ramenés. Et là, ils sont tous revenus. Tout le monde va plus ou moins. Ouais, tout le monde va bien en vrai. Tout le monde va bien. Ma mère, c'est. Et mon beau-père, j'ai pas trop de nouvelles, malheureusement. Mais dans pas longtemps, là, je vais reprendre contact avec lui parce qu'en vrai, j'avais pas la maturité pour pouvoir parler avec lui de sa position, de... Bref, il y a plein de questionnements que j'ai à voir avec lui. Je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais... Tu parles de ton enfance, comment t'as grandi. Ah ouais, ok. Comment t'as grandi. Okay. Non mais ouais, parce que ça fait un peu thérapie là. Non mais c'est très bien. Non mais tranquille, hein. J'ai pas... Moi en fait, c'est juste, toi, les petits moments où les gens, ils me regardent en mode... En gros, j'ai une histoire, une enfance marrante pour personne, sauf pour moi. Moi, j'ai passé des bons moments, j'ai rigolé, même quand c'était pas drôle. Après, c'est peut-être dû à ma personnalité, mais ouais, je pense. Tout ce que j'ai vécu, ça a fait que j'ai cette facilité à relativiser, à rien prendre au sérieux, mais c'est à double tranchant des fois, mais j'ai bien fini, je suis une bonne personne. Donc je pense que mes parents, ils ont fait le job qu'il fallait, comme ils pouvaient. Mmh. Voilà. J'ai envie de l'applaudir. Ouais. C'est bon. C'est bon. Chef Fuji. On laisse le meilleur pour la fin. Non. Non, tranquille. La présentation, on a déjà fait, je crois. Oui. Là, c'est plus narrer un peu l'histoire. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Issu du 91, Massy, il fut un temps. Nous, à Massy, c'était... En fait, il n'y a rien que vous avez raconté en fait, qui n'est pas ma vie, en fait. Mon père arrive dans le début des années 70, la mère dans les années 80, un peu comme toi. Massy, c'était très mélangé. Une forte communauté tunisienne. D'ailleurs, on dit qu'à Massy, c'est la ville jumelée avec Zarzis, même si ce n'est pas le cas. Tous les gens de Massy et les gens de Massy sauront qu'on a tout, enfin, on a une culture qui est très zarzicienne chez nous aussi. Des Sénégalais, des Maliens, des Mauritaniens. Enfin, moi, je suis Mauritanien. Mauritanien du Sud, Soninké. Donc, j'ai grandi avec papa et maman Soninké. Après, la Mauritanie, c'est un pays particulier parce que, pour diverses raisons, mais nous, comme j'aime bien dire, l'instruction, ils étaient un peu à cheval. C'est-à-dire que mon père et ma mère savaient parler français. Mon père, peut-être pas au début. Parce qu'il a fait la madrasa au Mali et au Sénégal. Surtout au Sénégal, mon père a grandi avec du côté Ouagé, du côté de la famille Ouagé. Et
Mais du coup, quand il est arrivé, il s'est adapté, il a parlé un français clair. Ma mère savait déjà parler français, c'est pour ça que même nous, notre soninké, on a mis du temps à le parler, enfin en tout cas pour ma part, parce que mes sœurs ont sont vite adaptées parce qu'elles partaient chaque année au bled, mais nous on a mis du temps parce que tout le monde doit connaître ça. Quand on va au bled, on essaie de parler soninké, tout le monde rigole. Yeah. Et nous, du coup, ça les bloque. Moi, ça m'a... Vous allez voir tout le temps, vous allez me respecter dans cette langue. Donc du coup, je vais continuer à parler. Donc, et mes oncles me félicitent aujourd'hui, donc tant mieux. Mais pour revenir au sujet principal, papa, maman, soninké, on a grandi, nous, dans l'insouciance. Hein. Tout ce qui était racisme et tout, etc., je l'ai compris bien plus tard. Moi, je me rappelle avoir écouté un texte de rap, enfin, à l'époque, je disais, je comprends pas pourquoi est-ce que les rappeurs, ils insultent toujours la police. Jusqu'à arriver en garde à vue à 14 ans, là, j'ai compris. Parce qu'en plus, l'arrestation, elle s'est passée de manière... Bon, on va passer les détails. Hein. Big up la PAC de Thiers. Sinon... non, non, tranquille, on n'est pas là pour... Mais... et moi, je suis connu... Alors, je vais planter le contexte. Hein. Nous, on est une famille très calme. Une famille très calme. Les Marégas, on nous connaît. On est famille assez calme, assez respectueuse. Nous, on était deux familles mauritaniennes. Moi et la famille Diagana, que tu connais, dans le quartier, Vilaine. Et la seule famille Bambara qu'on connaissait était en face de nous. Donc, il y avait vraiment... C'était un grand mélange. Et on s'entraidait. Nous, c'était tout le monde la famille. Tout le monde était tata, tout le monde était tonton. Donc, tout le monde était la famille. Maghreb... Même nos voisins qui étaient des Français blancs de souche, c'était tata et tonton aussi. Et ouais, voilà. C'est franchement, la vie et le daron a fait le job. Famille surnombreuse. Surnombreuse. Tu vois, la carte SNCF à 70%, nous on avait. C'est pour ceux qui se rappellent de cette carte là. Bah, tout le monde avait ça. Ah, c'était. Tout le monde avait ça. C'était surnombreuse. J'ai dépassé le. Non, non, nous aussi on était. En fait, voilà, dans famille polygame, mais il y a une partie qui était là. Une autre partie qui sont restées là-bas. C'est-à-dire que là, seule ma mère était là. Je voulais raconter une anecdote, mais si ma mère voit, peut-être elle va m'en vouloir, donc je raconte pas l'anecdote. On va pas frustré. Sinon, faut pas montrer la vidéo. Mmh. Allez, je la raconte. Enfin, moi, tu m'en voudras pas. Mon père, quand il ramène ma mère en France, on arrive dans l'ascenseur et ma mère enlève les chaussures. Pour ça qu'on est arrivé. Alors que. Mais c'est. Voilà, c'est pour dire, okay, on est dans les années 80. Donc, okay. Pour resituer le contexte, ma mère, okay, vient de Kaedi, du village, et ma mère a toujours travaillé. Ma mère avait été première. Moi, tous mes oncles me disent, ta mère était première de la classe en tout. Ta mère, c'était l'élève modèle. Ta mère, c'était... D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, elle enseigne aujourd'hui, enfin, elle enseigne l'arabe aujourd'hui, parce qu'en Mauritanie, on apprend aussi essentiellement l'arabe. On est bilingue, généralement. En Mauritanie, on sait parler peul, soninké, wolof, arabe et hassania. La plupart du temps, on sait ces... C'est ces langues-là, on les maîtrise, soninké compris, quand on vient de ma région en tout cas. Donc ma mère était excellente, maman était une bosse. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler non plus. On va laisser les autres s'exprimer un peu sur le sujet. Il vous reste deux ou tu t'es déjà exprimé tout à l'heure, non ? Moi, je n'ai pas trop parlé de ma famille, mais vas-y. Non, vas-y. Ok. De toute façon, après, à Bouba aussi. Ah, ah, oui, bah oui. Alors moi, j'ai grandi dans plein d'environnements en même temps. Déjà, je suis fille unique. Mon père et ma mère, ils ont fait des études. Mon père, il a étudié en Chine. Il parle chinois couramment. J'ai grandi avec la fierté de qui je suis parce que mon père, il a été jeté dans un fleuve en Chine parce qu'il était noir. Oui. À l'époque, dans les années 70-80. Il n'y avait pas trop de noirs en Chine. Donc du coup, j'ai été confrontée très tôt aux choses comme ça. Mes parents, ils aimaient beaucoup les études. Donc ils voulaient absolument que je fasse des études. Moi, j'étais à Fresnes, dans un petit quartier à Fresnes, dans le 94. Et en fait, mon père a décidé de me mettre dans une école catholique qui était dans le 92. Sauf que c'est un autre environnement. C'est pas juste l'école, hein. T'es avec des enfants de députés, des enfants de machin, ils ont toujours plein de trucs. Toi, tes parents, ils veulent juste que t'ailles à l'école. Il y a une différence.
Après, j'ai gardé quand même ce truc-là. Ça me touche. T'inquiète, ça va, allez, t'inquiète. Aïssé, je t'en prie. Bah, moi, je suis née et j'ai grandi à Belleville, dans le 11e. Donc, de parents soninkés, mauritaniens. Et mon père, lui, il est arrivé au début des années 70 en France. Donc, il est arrivé clandestinement. Et il a vécu, il a été dans un centre de rétention à Nice. Et après, bah, il est parti à l'aventure à Lyon pendant quelques années où il a travaillé dans une blanchisserie. Après, il est passé chef d'équipe. Mais son frère, son grand frère, mon oncle et ses cousins, ils habitaient à Paris. Donc, il ne savait pas lire et écrire à l'époque. Avec son meilleur ami, bah, ils avaient un petit papier où il y avait écrit « Foyer Charonne » dans le 11e. Et c'est comme ça que mon père, il est parti à l'aventure à Paris. Il a débarqué au Foyer Charonne, où il a habité là-bas pendant quelques années. Après, il a habité au foyer rue Davout à Pantin, dans un foyer Sonacotra aussi. Et en 79, il est parti chercher ma mère en Mauritanie, à Diaguilé. Donc ma mère, elle a fait village, Nouakchott, Dakar, Paris. Et en fait, mon père, il m'a raconté cette anecdote qui me fait trop rire. Il me dit, je suis parti chercher ta mère, elle n'avait pas de visa. Il est parti chercher ma mère. Et quand il a récupéré ma mère et qu'ils sont arrivés à l'aéroport de Roissy, les flics ont dit, mais monsieur Ndiaye, où est le visa de votre femme? Il a dit, il n'y a pas de visa en fait. J'ai pas de visa. Il a dit, mais vous êtes arrivé comment? J'ai dit, je suis arrivé avec mon avocat. Il dit, quel avocat? Dit, celui qui est là-haut. Et du coup, mon père, en fait, c'est ce qui m'a toujours animé, c'est ce qui m'a toujours fasciné chez mon père, c'est qu'il a peur de rien. Mm. Il a peur de rien. C'est vraiment le soninké par excellence. C'est-à-dire que lui, il a peur de rien, comme il dit à chaque fois. Moi, il y a mon avocat, il y a mes guides. Ça me suffit. Mmh. Et on a vécu dans le 11e, il y avait beaucoup de juifs à Belleville, il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de rebeux, d'algériens surtout, des maliens aussi, des antillais, il y avait de tout, c'était vraiment un melting pot. Mais on a vraiment vécu avec des blancs. Donc mon père et ma mère, ils savent parler français. Ma mère, elle, quand elle est arrivée, bah, tout de suite mon père l'a mis dans des cours d'alphabétisation. Et c'est les collègues de mon père qui ont appris à ma mère à parler français, etc. Ma mère a dit, ouais, moi j'ai grandi avec les Santa Barbara, les Feux de l'amour, tout ça. C'est comme ça que j'ai appris le français. Côte Ouest, tout. Voilà, les Côtes Ouest et tout. J'ai grandi avec elle à ce niveau-là. Mais je veux dire, quelque part, moi et ma sœur cadette, parce qu'on est une famille de 14 enfants, bah, nous, on ne voyait que par mon père. Mon père, c'était mon héros, voilà. Il était manutentionnaire et en même temps gardien de l'immeuble où on habitait. Et il gagnait bien sa vie. Mais malgré tout, on vivait dans un logement insalubre, infesté de cafards et de souris. Mais j'ai vécu des bons souvenirs parce que tous les soirs, je préparais la souricière avec mon daron et tout. Il dit, bah, viens, ramène du fromage. Et à l'école, c'était relou parce qu'en primaire, bah, on avait les cartables troués. Voilà, les souris qui sortent de ton cartable, les cafards qui sortent de ton cartable, les gens qui te regardent comme ça. Et puis, tu as des camarades qui disent, moi aussi, j'ai ça à la maison. Donc, mais en tant que soninké, mes parents, même si ils nous parlaient français, ils voulaient quand même qu'on ait la culture soninké à la maison. C'est-à-dire que en dehors de l'école, on était en claquettes et en pagne. Voilà, avec mes copains et mes copines à l'époque, claquettes, pagne, les vêtements européens, comme ils disaient, c'était juste à l'école. Mais dans le quartier, on se moquait de nous parce qu'ils disaient, Ndiaye, pourquoi tes enfants, ils parlent pas soninké et tout. Mon père, il dit, laissez-nous. Et c'est quand on est arrivé à Clichy-sous-Bois. Qu'on s'est mangé ça en pleine gueule. Oui, c'est pas normal. Tes enfants, ils parlent pas soninké. Comment ça se fait que tu leur donnes de l'argent de poche? Comment ça se fait que tu leur donnes du goûter? Parce que, voilà. Mon père, il nous a élevés à la française. Pour dire, même quand, au début des années 90, à Noël, sapin de Noël à la maison. Ils ont dit, mais on est des musulmans, pourquoi vous faites ça? Et, mon père, il dit, tout ce que je fais, c'est pour mes enfants, en fait. Je m'en fous des gens. Et ça, c'est ce que j'ai kiffé chez mon père, c'est qu'il en avait rien à foutre des gens. Voilà. Après, bon, il a abordé tout ça parce que, voilà, Clichy-sous-Bois, dominante musulmane, tout ça. Mais j'ai gardé vraiment de bons souvenirs et mon père, il nous a toujours poussé à l'école. Toujours l'école, parce que dans les années 90, dans les familles nombreuses, bah quand tu bossais pas à l'école, on te jetait au bled, on te jetait ton passeport, on te jetait au bled et tout, et on a vécu avec ça. Et mes frères et sœurs et moi, on n'a pas la même vision de mon daron, tu vois, parce que quand mes frères et sœurs ils sont nés, mon père il a été au chômage pendant longues années, ma mère elle a travaillé en tant que femme de chambre et elle gagnait très bien sa vie pour une femme de chambre parce que la plupart des darons dans le quartier elle faisait le ménage quelques heures. Ma mère elle faisait 8 heures par jour et elle travaillait en tant que femme de chambre et elle gagnait bien sa vie et elle nous mettait bien. Donc nous c'est génération Tati, génération Fabiolucci, tout ça. On nous aimait bien au niveau des salles. On avait de l'argent, on allait voir nos clients au foyer qui nous donnaient de l'argent. Donc oui, l'argent coulait à flot. Mais mes derniers frères et sœurs, ils ont pas vécu ça, eux ils ont vécu la pauvreté.
Voilà, donc il y a trois générations dans ma famille en tant que frère et sœur, et on n'a pas la même perception des parents. Moi, j'ai vécu avec mes parents dans la fleur de l'âge, où ma mère me disait, quand tu sors de l'école, faut que tu ailles chercher tes frères et sœurs, faut que tu les nourrisses. En fait, nous, les grandes sœurs, dans nos familles, on a été les sacrifiés. Mmh. C'est nous qui élevions nos frères et sœurs. Quand on sortait du collège, on n'allait pas traîner avec nos copines, on courait à la maison parce qu'il fallait donner à manger, fallait chauffer le plat à la maison. Après, fallait débarrasser, faire la vaisselle, faire le ménage, et après, tu vas à l'école. Le soir, tu réceptionnes tes frères et sœurs, tu les aides à faire leurs devoirs, tu aides la daronne à faire la cuisine, tu nettoies la cuisinière et le parterre, tu manges, à minuit, tu vas dormir. Et à l'école, t'es impacté à l'école, tu dors, tu rates un peu les cours, et puis c'est la débordade, quoi. Mais je suis fière de mes parents, je suis fière de qui ils sont et des valeurs qu'ils nous ont inculquées. Merci à vous de livrer tant de choses, c'est magnifique tout ça. Moi aussi je peux rebondir un peu sur ce que beaucoup de personnes ont dit, je pense que à part Penda, je pense qu'on a, non, toi aussi, je crois qu'on a tous la place de l'aîné dans la famille qui a été très importante. Moi je suis pas le premier enfant de ma mère parce que j'ai un grand frère qui est décédé, mais il est décédé tôt. Donc moi j'avais ce rôle de grand frère et c'est vrai que... comme tu le dis, moi, j'ai pas connu le même père que ma dernière petite sœur, par exemple. Tu l'avais dit à un événement où on a été tous les deux. On n'a pas connu les mêmes parents. Parce c'est que, vrai. Pareil, moi, mon père, à l'époque, il travaillait, il gagnait très bien sa vie. Moi, je peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose sur ce plan. Même si on vivait dans la salubrité, mon père, on a toujours eu des, on a toujours bien mangé. Mon père rigolait pas sur tout ce qui était école, surtout ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui, à l'époque, avant de quitter le village, elle avait commencé les cours. Elle a toujours été passionnée par le fait d'apprendre. Malheureusement, le mariage, ça l'a coupé. Mais dès qu'elle arrivait en France, elle a fait des cours d'alphabétisation. Pendant de très longues années, elle a fait le ménage. Elle a passé des formations par rapport à la langue. Elle a bossé dans une pharmacie à un moment donné, etc. Donc, elle avait vraiment cette volonté d'apprendre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle prend des cours, mais bon, c'est plus ça, des cours d'arabe et de Coran. Et aussi, elle donne aussi des cours aux mamans du quartier. Et c'est toujours quelqu'un qui a voulu apprendre. Moi, je me rappelle, quand j'étais en maternelle, c'est ma mère qui m'avait appris à compter. Parce qu'il se trouve que où elle travaillait, elle était femme de chambre aussi. Et elle travaillait pour une famille de juifs à un moment donné. Et bon, on lui avait appris à compter les draps, les serviettes, etc. Et je me rappelle, moi, à la maternelle, dès que je suis rentré en petite section, je savais déjà compter. Parce que ma mère, quand elle apprenait, j'apprenais avec elle, en fait. C'est-à-dire qu'elle était là, la dame, elle lui écrivait des choses sur un petit cahier et tout. Donc, elle révisait d'une certaine manière. Et moi, elle me faisait réviser avec elle. Moi, je me rappelle, à l'époque, et tout, en maternelle, elle me disait, oui, votre fils, il sait déjà compter, etc. Alors qu'il voyait que ma mère ne savait pas très bien parler, etc. Donc, ma mère, elle lui expliquait et tout un peu. Et voilà, moi j'apprenais de cette manière-là. Ma mère, elle a toujours été à cheval sur l'école. Elle m'a dit, voilà, faut que vous travaillez bien à l'école. Plus je grandissais, toujours elle me mettait cette chose dans la tête. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais petit, je devais être en primaire. Il y a un reportage qui était passé où il parlait du bac. Et je me rappelle, moi je regardais, souvent ma mère, quand il y avait, je sais pas, peut-être vous aussi, quand il y a des choses qui passaient à la télé, ma mère me disait, oui, ça veut dire quoi ce mot? J'avais tellement peur que même des fois, elle me dise des mots qui veulent dire des choses que je peux pas lui expliquer. Et un jour, elle m'a posé une question sur un truc, et gros, je lui ai expliqué, parce que je crois qu'ils avaient parlé du terme baccalauréat. Donc, je lui ai expliqué. Et en gros, elle a dit en bambara, en gros, elle disait que, j'espère que mes enfants me ramèneront ce diplôme un jour. Et moi, j'avais cette chose en tête, je me suis dit, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui va la rendre très fière, parce qu'elle, elle a toujours dit, moi, j'aurais voulu passer, faire mes études, avoir des diplômes, etc., etc. Malheureusement, j'ai d'autres obligations. Et voilà, elle a fait avec, nous a toujours mis dans des, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours été dans des conditions où, même si à la maison, c'était des fois compliqué, par rapport à où on vivait, pour faire les devoirs, etc. Mais ma mère, elle me laissait à l'étude. Elle voulait vraiment que, malgré les conditions de vie qu'on avait, que je puisse apprendre. Et ça a servi. Moi, à l'école, je travaillais super bien. Voilà. Même si on a grandi en quartier, on faisait des conneries, mais on bossait bien à l'école parce que moi, personnellement, j'avais ce côté où je savais que l'école, c'était super important, que j'allais jamais faire ça, parce que je pensais à mes parents. Je pensais aux galères qu'ils avaient eues. Mon père, lui, il arrivait, mon père, il savait ni lire ni écrire. Pour ça, il a passé son permis. Même moi, des fois, je me dis, comment il a eu son permis à cette époque-là. Il a eu son code, son permis et tout. Il déchiffrait, ouais, sans savoir lire et écrire. Il déchiffrait. Parce que mon père, il a passé son permis dans les années 80. Ah oui. Déjà que là, je vois son niveau aujourd'hui, mais son niveau à l'époque, c'était encore pire. Oui. Mais ils ont eu, à l'époque, c'était son employeur qui l'avait permis de passer son permis. Et voilà, lui, il me disait que mon père, lui, apprendre, c'était cadet de ses soucis. Lui, c'était, voilà.
c'était voilà, je bosse dans ça et voilà. Peut-être que dans quelques années, on va tous repartir de toute manière parce que je pense que, enfin moi, si je prends mes parents en exemple, la majorité des parents, ils avaient un plan. Ouais, leur plan, c'était de venir prendre l'argent et partir. C'est ça. Tous. C'est pour ça que la plupart n'ont pas construit. Il y en a, ils n'ont pas voulu être propriétaires parce que eux, dans leur plan, moi, si je prends mes maisons, là, c'était oui, de toute manière, on va rester quelques années. Ensuite, on va tous retourner au pays. Aujourd'hui, ils sont tous là, tu vois. C'est-à-dire que des années après, ils sont tous là. Et ce côté, même ce côté, moi, culturel, pour revenir là-dessus, nous, on a été élevés, ma mère, comme elle essayait de parler français, donc elle essayait de parler les deux à la maison. Moi, je crois que de mes frères et sœurs, je suis celui qui parle le mieux. Les autres, leurs parents parlaient dans la langue, ils répondaient en français. Même si j'ai plein de cousins, cousines, c'est comme ça. Beaucoup n'ont pas eu la langue ou ont perdu la langue de cette manière-là. Et nos attaches culturelles, nous, c'était le week-end. Tous les week-ends, moi, mon père, il nous ramenait au foyer, mais tous les week-ends. Mmh. Et nous, notre foyer, c'était le foyer des Ardoines à Vitry. Cousin à cousine. Jusqu'à aujourd'hui, là, quand on a grandi, on se dit, la dernière fois, je retrouvais des photos et j'envoyais une cousine à moi. Mais elle était choquée, une photo que moi-même, je savais même pas qu'elle était dans les photos de ma mère. Une photo, on était petit, on doit avoir 4-5 ans. On est dans la cour, ceux qui connaissent les Ardennes, la cour du foyer des Ardennes, c'était l'endroit où tout le monde prenait des photos. Et voilà, et nous, tous les week-ends, c'était baby food, flipper. On allait acheter le plat de frites moitié poulet. On était avec les oncles et tout, etc. Nous, c'était là. Tous les week-ends, nous, c'était ça. J'avoue. Tous les week-ends, on se retrouvait avec les cousins, cousines. Après, il y a une transition où ça s'est arrêté. Donc nous, c'était tous perdus de vue. On s'est tous retrouvés, je sais plus c'était en quelle année, mais je pense que ça devait être en 2009-2010, où une grande cousine à nous a décidé d'organiser une rencontre. Et c'était marrant parce qu'il y a plein de gens qu'on ne se souvenait plus des têtes, mais quand on se présentait, on était une quarantaine, chacun disait le nom de ses parents. On disait « Ah, mais toi, ah ok, ah toi aussi, etc. » On s'est tous retrouvés, on s'est tous regroupés. Et voilà, au-delà de ça, le côté culturel, moi j'ai toujours... j'ai baigné dedans... nous les Kagolos, c'est un peu comme les Soniquais, on a un côté culturel qui est très puissant, mais malheureusement moi dans notre environnement, autour de moi j'avais des Soniquais, des Bambaras, j'avais pas mes cousins cousines qui habitaient proche de moi, donc c'est moi-même qui allais chercher l'information. Moi je suis quelqu'un, très tôt j'ai voulu savoir d'où je venais. Moi je me suis très vite intéressé à mon côté malien, et à l'époque où il y a eu un peu l'essor des réseaux sociaux, etc., à l'époque des mécènes, de Skyblock, etc., moi je me rappelle j'avais pas internet encore, quand on était à l'école, j'allais sur les forums, sur chat.com, etc. à l'époque, et je ne parlais qu'avec les gens où il y avait écrit malien 223, malienne du 93, Sénégal, et je parlais qu'avec des Westaf, parce qu'en fait je voulais savoir d'où ils venaient, qui ils étaient, je me connectais avec eux, et c'est de là qu'il y a une malienne du 9 de Mama, tu t'appelles peut-être que de Montfermeil, Mama Camara, et un jour je parle avec elle et tout, elle me dit ah et tout, c'est trop bien, ben moi j'habite à Montfermeil, je dis ah moi j'habite à Ivry, ok tout, t'as un Skyblog, je fais c'est quoi Skyblog? Et c'est elle qui m'a dit, voilà, c'est une sorte de page où tu mets tes trucs. Et en gros, moi, tous les malins que je rencontre, je leur demande d'en faire un. Comme ça, ça nous permet d'avoir une page où on peut voir un peu ce que chacun fait. Et c'est elle qui m'a poussé un jour à créer mon Skyblog. Et de là, en fait, ça a été une révélation. Mon objectif, c'était de trouver tous les malins de France. Mais vraiment de France. C'est-à-dire que j'avais un MSN, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, tu connais d'autres malins? Oui, je connais un malin qui habite Antony. Ah, je connais un malin. Il me dit, invite-le ce soir, on se fait un truc en groupe et tout, on discutait. Et c'est comme ça qu'en gros, j'ai créé, on va dire, un réseau. Et à l'époque, quand il y avait des petites fêtes et tout, on disait, il y a telle personne. Moi, j'ai un baptême et tout de famille. Venons faire un uniforme. À l'époque, faire des tenues, c'était pas trop ça et tout. On cherchait et tout. J'ai un gars qui disait, moi, je connais quelqu'un qui fait des bases. On se retrouvait être en uniforme, tous ensemble, garçons et filles. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des uniformes. Et après, je suis rentré dans le délire. J'étais vraiment attaché sur le côté culturel. Et il fallait vraiment que je m'approprie ce truc-là. Et j'étais tellement fier d'être malien. Je me suis dit, waouh! Il dit, en fait, il y a plein de maliens, on fait plein de choses et tout. C'est le moment et tout. Et on faisait des délires, même des fois, avec du recul. J'en parlais avec Sadia Jawara il y a pas longtemps. Il y a même eu un jour, pour un 22 septembre, tombé un vendredi. Et pour moi, que j'étais très suivi sur les réseaux à l'époque, déjà. Et, mon MSN, sur Skyblock, j'ai mis, le 22 septembre, on se donne tous rendez-vous sur les champs en bas, où on tenait africaine. Et là, t'as 200, 300 personnes qui débarquent en bas, tu vois. Avec des drapeaux du Mali et tout. Et ça, c'était notre kiff, parce qu'on était tellement contents, on disait, quoi, on est là. Tant on est contents, on est fiers de nous. Et moi, j'avais ce côté où
j'avais besoin d'affirmer cette fierté d'être Westaf, cette fierté d'être malien, de le montrer, de le créer sur tous les temps, parce que je me dis que voilà, c'est ma double culture. Moi, ma double culture, j'ai toujours été fier, elle m'a toujours apporté. Pour moi, ça a toujours été une opportunité. J'ai ce côté français que je ne vais jamais négliger, mais j'ai surtout aussi ce côté malien que j'ai eu du côté de mes parents et que je suis fier aujourd'hui d'en parler. Je suis fier de le valoriser. Et aujourd'hui, c'est un héritage que je veux laisser à mes enfants aussi. Ouais. Ouais. Moi, je t'ai rencontré, enfin, comment dire, c'est Beretta Off. C'est lui qui m'a dit va voir son Facebook. Lui, il est interconnecté avec plein de Maliens, tout, tu vois, et c'est intéressant son profil. Tu vois. Et c'était il y a au moins 7 ans, à l'époque. Maintenant, on arrive sur la dernière ligne droite, je t'en prie. Non, je voulais juste dire que bah, par rapport à la thématique des Westaf, désolé, déjà, je suis super sensible, donc je pleure tout le temps. Mouba, il a l'habitude, désolé. Et en fait, par rapport à la thématique des Westaf, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'ai grandi dans différents milieux, du coup. Et j'ai remarqué que les discriminations envers les Westaf, elles viennent des différentes minorités, des différentes diasporas, plus que du français de souche, entre guillemets. Le français de souche, ça va être un noir, un racisme envers un noir. Mais le côté Westaf, tous les clichés que tu as cités au début, moi, en tout cas, de mon point de vue, je l'ai entendu plus d'autres minorités. Genre, c'est pas, par exemple, c'est pas... Jean-Paul Ducoin qui va dire ouais malien machin tout ça, même si Jacques Chirac a dit ce que t'as dit, mais en règle générale je pense que ça vient plus de ça venait, parce que maintenant c'est plus le cas, peut-être que et, je me trompe. Et du coup moi je suis totalement d'accord, moi, avec, je suis d'accord toi. Avec toi je dirais même que les Ivoiriens Calme-toi, Bois. Les Ivoiriens, il faut regarder toute la carrière de Gou. Il a fait que de se moquer des Maliens. Il a fait que de se moquer des Maliens. Non, mais en vrai de vrai, je ne sais pas ce que l'Afrique a avec le Mali, mais c'est vrai qu'on se moque beaucoup de nous. Non, je pense que c'est plus lié à des pays frontaliers. Le Mauritanie, Sénégalais, c'est pareil. Sénégalais, Guinéens, c'est pareil. Ouais, mais ils se mettent tous d'accord pour dire que... Je te jure, ils se mettent tous d'accord. On est vraiment marginalisés. Si je peux dire un truc, moi, je pense que de base, il y a quand même un lien fort de cousinage qui fait qu'il y a la taquinerie. Il y a une base quand même. Ouais, entre nos familles. Moi, je sais que ce soit dans notre communauté, même dehors et tout, il y a du cousinage. Moi, nous, on a des cousinages avec les Soninkés, avec les Djokolam, etc. Je sais qu'entre pays, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, historiquement, il y a quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des ultra, entre guillemets, des extrémistes, entre guillemets, qui prennent le défi et tout. Mais c'est comme partout. Même au Mali, il y a des extrémistes sur d'autres communautés. Et je pense que ça touche tout le monde. C'est-à-dire, ce que nous, on vit, d'autres le vivent aussi, toi. Au Mali, que tu prennes certaines ethnies, que ce soit au nord du Mali ou autre et tout, bah, il y a aussi ce truc-là qui existe chez nous, c'est à tous les niveaux. Et moi, je trouve que voilà, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais partout. Bah, après, moi, pour revenir là-dessus, moi, ça m'a jamais dérangé que quand ça vient de notre camp, en vrai. Parce que on a aussi des trucs à redire sur toutes les ethnies, il y a des clichés sur tout le monde. Mais il faut que ça rentre nous. Ouais, mais c'était pas dérangeant. Par contre, quand ça vient d'un blanc, c'est plus pénétrant. Parce que la perception est différente. Là, en gros, si tu veux, là, c'est les petits enfants dans le bac à sable qui se battent entre eux. Et là, t'as le blanc qui dit oh. Les noirs là, calmez-vous. Tu vois, c'est plus ça. C'est alors qu'entre nous, on se connaît tous, on a tous grandi ensemble, et c'est le fait qu'on ait grandi ensemble qui fait qu'on se connaît et qu'on peut se permettre d'en rigoler. Pour moi, c'est plus en mode on en rigole, on se charrie. Ouais, mais toi, vous avez jamais gagné la Coupe d'Afrique ou je sais pas quoi. Vous mettez les pieds dans le lavabo pour les Congolais. C'est les Congolais qui aiment bien dire ça. Mais c'est pour rigoler. Tu vois, ça fait rire les gens. Ouais, on charrie tous. Après, c'est juste que quand tu sais que la personne connaît pas ton histoire et ne sait pas d'où tu viens et qu'elle balance ça juste par ignorance et c'est tout de suite plus vexant. Après, moi, j'ai toujours eu une répartie de qui fait que j'ai jamais pleuré devant quelqu'un qui me dit ouais sale noir ou je sais pas quoi, tu vois. Donc après, ouais, ça, c'est vrai que ça gâche des vies, mais grâce à nos parents, je pense qu'on a su faire face à ça et pas nous recroqueviller sur sur les dires d'où on va dire
le suprémaciste ou bref, comme vous voulez l'appeler, mais celui qui a les rênes, quoi. Benda. Juste pour appuyer, Dibi, il a parlé de cousinage. Donc du coup, il y a ça entre tous les pays d'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui répondent. Ils ont du répondant. Et dans la culture Westaf, il y a vraiment le truc de... C'est pas se soumettre, mais c'est vraiment passer au-dessus de beaucoup de choses. La résilience. Voilà. Mm-hmm. Donc du coup, je pense que peut-être dans la mentalité en France, les gens ont été habitués, mais si je l'insulte de sale malien, machin, il va rien dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas aller dire ça à d'autres origines. Parce qu'après, il va avoir des soucis peut-être. Donc peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont habitués à faire ça. Et au final, ils ont vu que les Maliens et les autres communautés ouest-africaines passent au-dessus. Après, t'as vu, le truc, c'est que nos papas et nos mamans sont... Enfin, ils nous ont appris quelque chose, c'est-à-dire de... pas faire de vagues. Oui, tu ouais, vois, c'est ça. Pas, comment dire, d'histoire. Pas... Moi, j'ai grandi dans des... Moi, j'ai grandi dans une banlieue où... Mm. Comment dire, dans des cités où, en fait, c'est nous, les Maliens sénégalais de quartier, qui, à un moment donné, avons répondu. Tu vois, se sont levés. Et sinon, nos parents ne nous ont jamais dit de nous lever. Mm. C'est d'aller, opter pour la violence si jamais... Ouais. On vient te manquer de respect. Non, mais à la base, nos parents, ils sont en mode. Moi, mon père, il est pour la violence. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ma mère. Ah oui, moi, il me ramenait chez l'adversaire. L'adversaire avec qui j'ai des problèmes. Ma mère, elle me ramenait chez lui. Elle me dit, vous vous battez, là, maintenant. Mais attends, j'ai une question à vous poser. Parce que là, on va terminer, parce qu'en réalité, ça fait déjà presque une heure, c'est ça? Et du coup, on n'a pas répondu à la question. On n'a rien dit, on n'a toujours pas répondu à la question. Tu peux rajouter une heure. Attends. Ah ouais. Il y a des gens qui attendent là. Mais on fera une deuxième partie, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez eu un moment de vos vies, est-ce que vous avez eu honte d'être des West-Africains à un moment donné de vos vies à cause des clichés qui étaient attribués aux West-Africains? Est-ce que vous avez eu honte à un moment donné? Parce que moi, je sais que je suis d'une génération où, en réalité, les communautés qui étaient hype à l'époque dans les années 80-90, c'était beaucoup plus les Antillais. À un moment donné, dans les années 90, les Congolais. Mais les West-Africains, t'as vu, il y avait des clichés qui étaient, que j'ai cités dans l'introduction, qui étaient attribués. Et je sais que quand on était noir de peau comme moi, là, foncé, là, les longs, là, tout ça, là, avant, c'était pas hype, tout ça. C'est aujourd'hui, grâce à l'avènement des réseaux et grâce à, comment dire, une nouvelle génération qui a valorisé, et toi-même, en réalité, tu vois, t'as contribué à ça, quelque part. C'est-à-dire à valoriser, et aujourd'hui, on se rend compte que, ouais, j'étais à un mariage récemment d'Agathe Massy. J'ai vu dans le mariage, des roubeux, des antillais, des blancs, contents d'être en bazar. T'es en mode... Et toi, à l'inverse de ce que tu me disais tout à l'heure, où c'était rare à l'époque d'avoir des uniformes. Aujourd'hui, maintenant, même les mecs d'autres origines, ils sont contents d'avoir des bazars, parce qu'il y a une espèce de hype. L'effervescence autour de ça. Ouais. Bah après, si tu veux, avant, il y avait ce côté où, par exemple, moi, je me rappelle, quand j'étais plus petit, il y a eu une fête de l'école, ma mère, elle m'avait mis un bazar. Et pour les gens de l'école, c'était un costume. Je me rappelle, elle m'avait dit, oui, il est beau ton costume et tout. Ma mère, elle comprenait pas, chaud. Toi, je disais, oui, costume, non, c'est notre tenue de chez nous, tu vois. Ouais. Et pareil, il y a un autre point, le côté où, en gros, quand on était plus jeune, aller au bled, c'était pas à la mode, c'était une punition. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais quelque chose de mal, on te disait, je vais t'envoyer au bled. C'est moi, pendant longtemps, c'était une vraie punition. C'est-à-dire que moi, j'avais pas honte d'être renoué et tout, mais il y avait des choses dont j'avais peur, tu vois, parce que le bled, je connaissais pas encore. Pour moi, je me disais, voilà. Mais tout ce qui est autre, il y a eu des choses sur lesquelles j'avais peut-être honte, mais c'est des petites anecdotes comme ça. C'est quand je suis allé en colo la première fois en CP, ma mère, elle m'a passé un jumper, j'arrive tous les blancs avec leurs gants, tu sors ton jumper entre gardes. En gros, c'est toi et tout. Dis, oui, ouais. C'est quoi ça? Et j'avais honte, mais genre, j'avais vraiment honte. Et je l'ai rangé. Tu sais, moi, ce que j'avais répondu à ça? J'avais dit, ça enlève les mauvaises peaux. Dis-toi que vous, là, comment vous vous lavez, là? C'est vous, les sales. Mais j'en rappelle et tout. Et moi, j'ai rangé ça. J'avais le grand toilette qu'on avait tous et tout. Et de là, j'ai sorti mon grand toilette. Et ma mère, quand elle envoyait des... Je rappelle un jour, j'avais droit à un coup de fil et tout. Elle m'a dit, tu te laves bien et tout. Tu te frottes bien et tout. Je fais, oui, t'inquiète pas et tout. Mais mon JMP, je le sortais pas. Pareil, un jour et tout, jamais oublié, ils avaient dit aux enfants, mettez des paquets de bonbons dans les trucs et tout. Les darons, ils avaient mis des Haribo, tout ça. Ma mère m'avait mis des paquets de Soro bonbons. Et voilà, je vais jamais oublier. Oh, on est arrivé en colonie, il y avait un grand truc et tout dans la chambre. On était, je crois, 6 ou 7, et tout le monde devait renverser tous ses bonbons. Après, on partage. Et j'ai dit, et toi, Dibi et tout? J'ai dit, non, moi, j'ai rien. Alors, un gars fait, mais si, regarde. Et là, ils ont ouvert. En fait, quand je te dis, j'avais honte. Voilà, j'étais en CP, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Mais les bonbons qu'ils ont goûté là,
si c'est pas ça qu'ils ont filé en premier, oui, ça vient d'où, c'est super bon et tout, nanana, je fais, ah ouais, après ça vient de chez moi et tout, j'étais là, j'étais extrêmement content, tu vois, mais alors que de base, j'avais honte, tu vois, mais après, toi, au fur et à mesure que le temps est passé, tu vois, moi, personnellement, j'apprenais à aimer ce que je suis et à valoriser toutes les choses que je voyais. Moi, je me dis, bah, les rebeux, quand ils faisaient leur marge, on les voyait bien, c'était super fiers, leur tenue, leur tradition. Je dis, pourquoi nous, on aurait honte de mettre des bazins? Pourquoi on aurait honte de sortir? Moi, j'avais pas honte. Je dis, au contraire, on va mettre des bazins, on va bien les mettre même. Ils vont bien voir que nous aussi, aujourd'hui, on a la fierté de porter ça. Moi, j'ai jamais eu de honte. Et au contraire, ça a toujours été une fierté. Et j'ai toujours fait en sorte justement que tous les gens autour de moi puissent être fiers aussi d'appartenir à cette ethnie, faire appartenir à cette communauté et être fiers d'être malien, sénégalais, mauritanien, guinéen, gambien, dire que voilà, moi aussi je viens de là et tout, même si on se taquine entre nous, bon, au final voilà, c'est la West Afrique qui gagne. On termine. Parce que là vraiment. Ouais, enfin moi je t'en prie. Vas-y. Sur ce qu'il disait, moi j'avais honte personnellement, mais je sais que c'était dû au regard des gens en fait. Parce que mon anecdote, c'est que je me souviens, ma mère, elle allait à une fête, etc. Et nous, on avait porté un Vax, mais tu sais, c'est les modèles des années 90, celui-ci voilà, c'est bien ça. Gonflé sur le côté. Et en fait, il a fallu ce jour-là que je tombe sur un garçon qui était dans ma classe. Et en fait, il s'est moqué de moi. Et arrivé, en fait, en primaire, il avait dit à tout, ouais, moi, j'ai vu Niara et tout, elle avait un habit, etc. Et du coup, je m'étais dit, plus jamais, en fait, je mets un habit africain. Tu vois. Mais, et l'autre anecdote, c'est qu'une autre fois, une autre fête, j'avais dit à ma mère, c'est mort, je mets pas. Et je me souviens encore de la photo, parce qu'on avait fait une photo avec ma mère. Moi, j'étais avec mon haut rose, ma jupe et tout. Et j'ai dit, c'est mort, je mets pas d'habit. Donc, c'est des petits traumatismes un petit peu comme ça qu'on vit quand on est petit, mais là, maintenant, aujourd'hui, tu me dis de sortir un bazar ou autre. Moi, je le mets très fièrement, mais souvent, c'est parce que on se moquait de ça. C'est comme le houssoulan, ce qu'on appelle le tchouraï. Moi, ma mère, elle mettait ça à fond, limite. Voilà. et sauf que des fois, les gens, ils me disaient, mais toi, Niara, t'es une malienne, mais bizarrement, tu sens pas ça. Ouais, souvent, on nous dit ça. Voilà. Et autre anecdote, c'est que je me souviens, là, j'étais en BTS, donc j'ai 18 ans. Et il y avait une amie à moi qui, à l'époque, vous devez venir me coiffer. Et en fait, quand elle est rentrée, la première chose, elle a dit, ah, mais ça sent pas les Maliens. Ouais. Et c'est vrai, c'est connoté malien. Voilà. Et pareil, quand elle a vu ma mère qui débarquait du travail, bon, ma mère, elle était habillée normalement. Elle avait, elle était habillée, ce qu'on appelle en français. Elle dit, ah, mais je m'attendais à voir ta mère, pas une baby. Et en fait, quand tu vois, tout le monde pense comme ça, en fait, ce qui fait que toi, ça te crée des petits complexes. Et si tu prends pas le recul nécessaire pour dire, ben, en fait, c'est ta culture, c'est tes valeurs et ça fait partie de toi, en fait, tu restes, enfin, tu fonces tête baissée, on va dire, sur un mur et au final, après, tu deviens complexé alors qu'il n'y a pas raison, quoi. Pour finir, moi, j'ai jamais eu honte d'être malien parce que dans ma famille, j'ai connu le côté stylé malien. Genre des Maliens, mais les frères de ma mère, ils ont beaucoup voyagé. Donc, je sais pas, je les voyais comme des Afro-Américains, genre c'était des exemples pour moi. Souvent on allait jouer au basket avec mes oncles. Carrément, avec du recul, je pense que mes oncles et les gens qui ont été autour de ma famille ont beaucoup contribué au fait que je sois pas trop allé à gauche à droite. Mais j'ai toujours été fier de carrément, il m'arrivait de dire des insultes en malien que personne comprend dans la classe, ça me faisait rire. J'ai eu beaucoup de culture aussi humoristique du côté tout ce qui est, comment il s'appelle là, Gimba, je me suis mangé ça. J'ai toujours été fier de ce côté-là et même, je dirais même, de l'Afrique en général parce que je me suis pas arrêté juste à tout ce qui est comédie malienne, comédie guinéenne, comédie ivoirienne. Vraiment l'Ouest Afrique, Burkina aussi, avec les Bobo Diouf, tout ça là. Donc, j'ai toujours été fier de ça. C'est ton identité. Donc, après, il y a des petits moments qui vont te faire rappeler que, t'es pas trop chez toi. Donc, donc il faut un petit peu réajuster et tout. Mais même quand j'allais au foot, il y avait un cafard qui sortait. Je disais, ah, regarde, c'est mon pote. On l'élève à la maison, on le nourrit et tout. Enfin, j'ai jamais eu honte de... En vrai, j'ai eu honte de pratiquement de rien. Donc, c'était plutôt cool. Pour finir, Sénégal, Mali, Maroc, Ali, Foc, l'Italie, Nick le Hala et leur mafia, Tahmontana. Ici, c'est Tony Koulibaly.
Booba a-t-il contribué à la revanche des Westaf au même titre que MHD et Aya Nakamura? Mais deux OBA? Bah oui, bah ouais, c'est un Sonic. En fait, c'est la musique ah non, mais... en règle générale. Pardon. C'est la musique en règle générale parce que toutes les minorités ont besoin d'un leader. On sait très bien que les Afro-Américains, ils sont émancipés grâce à leur musique. C'est pas seulement le rap, c'est toutes les musiques noires américaines, même la country est noire à la base. Et ça leur a permis de s'émanciper. Et en fait, en France, bah, les minorités aussi ont eu besoin de leaders. Il y a eu beaucoup de têtes d'affiche dans la communauté maghrébine, dans la communauté antillaise, dans la communauté africaine en règle générale. Mais il n'y avait pas beaucoup d'Africains qui exprimaient leur africanité, j'ai l'impression. Surtout au niveau des Westaf, parce qu'on avait quand même Passy, le Bissoun Abisso. Mmh. Et après, il y a eu Mokobé. Je voulais parler de Mokobé. Justement, Mokobé, je pense qu'il fait partie de ces premiers qui ont exprimé, c'est pas le premier Westaf, mais le premier qui a exprimé son appartenance à la communauté Westaf et qui l'a revendiqué musicalement parlant. Même si je suis pas d'accord avec Beyoncé Koulibaly. Je dirais tout. Après, il y a des déchets partout, mais je veux dire un tout, moi, Mokobé fait partie de ceux qui, justement, ont ouvert cette porte. Parce que quand la voix du Mali est sortie, ça a changé pour beaucoup de personnes. Et moi, je te parle pas que des Maliens. Quand la voix du Mali est sortie, ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Je sais que ça a changé, justement. C'est pour ça que je l'ai cité en premier. Et il y a Booba aussi. Non, là, je mets pas du tout mon côté rapide. Oh, c'est une rapide. Non, mais franchement, Booba, c'est une rapide. Dans les rappeurs, attendez, vous êtes tiré là dans ce que pays Westaf, or que franchement, il était pas forcé son côté solinqué aussi. Oui, parce qu'il l'a souvent dit dans ses textes. Voilà. Non, mais il y a très peu de rappeurs. Oui, mais c'est facile. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres rappeurs qui ont donné des citations où il parlait. Booba, il est arrivé après sur le côté musicalité, je te parle. Si ce n'est pas le son qu'il a fait DKR. Avant ça, il n'y a eu aucun sens. Je parle pas du côté musicalité, je parle du côté revendication. Parce que le côté musicalité, bah, comme on citait Mokobé, là, on peut citer MHD pour la nouvelle génération. On peut citer, bah, MHD qui a influencé tous les jeunes artistes. Même Aya Nakamura, aussi et aussi. Si Aya Nakamura, elle citait des mots en bambara dans ses premiers sons, si tu regardes bien. Bah après, le souci, c'est quoi? C'est que c'est pas la même génération. C'est-à-dire, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est très bien. Mais quand tu pars de notre époque, on va dire, en termes de musicalité, il y avait que Mokobé. Sinon, nous, on s'identifiait, même quand on allait dans les après-midi, dans des soirées ou autres. Les sons qu'on écoutait, c'était la Côte d'Ivoire, le Congo, etc. Mokobé, moi, je l'aime beaucoup, hein. C'est mon frérot. S'il tombe sur cette vidéo, Mokobé. Attention à ce que tu veux dire. Non. Tu sors de dinguerie. Non, je vais pas dire de dinguerie. Je vais pas dire de dinguerie. Non, Mokobé, il vient du 113. Oui. Hein, Mafia Kafri. Ouais, tout ça, voilà. Ouais. Donc, attention, ils sont beaucoup, les mecs. Il n'y a pas de problème. Mafia Kafri, ils ont fait leur temps. Ensuite, il y a eu les histoires. 113, ils ont fait leur musique. Hein. Ouais. Ensuite, il y a eu Magic System. Oui. Hein, qui est venu et qui a donné. C'est ça qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est Magic System qui est venu et qui a dit hey, Mokobé, alors voilà. Et Mokobé, il est venu, il a dit regarde, il y a les producteurs ici, il y a les producteurs là-bas. Mais là, hey, Mokobé et Booba, c'est incomparable. Incomparable du début à la fin. Booba, c'est le premier Renoir que t'as vu à la télé et tu dis non, c'est ça qu'il faut qu'on voit avant lui là, HIP, HOP, non c'est pas sérieux, là on a vu un Kemé. C'est quoi HIP, HOP? Tu connais pas HIP, HOP? C'est l'émission de Fitness, c'est la première émission de hip-hop à la télé. Non mais c'est vrai, c'était le Renoir qu'on voyait à la télé. Alors que lui il est venu dans le dur. On est venu, il a dit l'esclavage, tout ça et tout nanana, Pitbull, non. Faut dire, réponds vite fait et après on finit. Si tu m'avais dit Kerry James. Moi je pense que la vie c'est des expériences et je pense qu'il faut remettre. Je vais être rapide. Je pense qu'il faut redonner les lauriers aux anciens parce que sans les anciens, il n'y a pas ce qu'on fait aujourd'hui. C'est clair. Et j'espère que les petits aussi retiendront que ce que vous faites aujourd'hui, parce que c'est parce que nous on a mis aussi notre pierre à l'édifice. Moi, j'ai jamais eu honte personnellement parce que la culture soninké, pour les enfants soninkés savent, la culture soninké, elle est très forte. Ouais. Elle est très identitaire, de manière identitaire. C'est un peu comme les Sénégalais, on a une forte identité soninké. Et on nous montre déjà dès tôt,
notre nom est toujours affilié à un nom, enfin je pense que c'est ouais, Westaf. Ouais. Hein. Par exemple, Mariga, ça va être Mariga Budanes. Dès que tu ne connais pas quelqu'un dans la vie, il va dire Andiam, tu vas dire Mariga, Mariga Budanes. Il connaît déjà ton histoire. Mais c'est vrai, hein. Il connaît déjà ton histoire. Ton nom de famille est affilié à une histoire. Exactement. Nous, c'est la généalogie. Nous, c'est le serpent Bida. Bon, c'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter là. Mmh. Sur Internet, vous pouvez vous renseigner. Mais pourquoi je parlais d'ancienneté, etc. C'est parce que nous, on a, quand tu es petit, Renois, même au-delà même d'être Wastaf, je pense que tu cherches ton identité à travers des trucs qui vont te sembler ou te ressembler. Mmh. Ça veut dire que moi, personnellement, au départ, bah, c'était à travers des 50, c'était à travers des Tupac, c'était à travers. C'est les carrés d'abord qui nous parlent, parce que la grosse machine, elle vient de là-bas. C'est ce qu'on perçoit. Je me rappelle, j'avais mis un pansement, les gros pansements et tout, pour ressembler à Nelly à l'époque, avec une casquette à l'envers. J'arrivais avec ça à l'école. J'ai la grosse casquette carré sur le côté. C'est ça le problème. Nelly et Tupac, ça n'a rien à voir. Tu vois ? C'est un problème. Attends, parce que tu sais ce qu'il dit, Nelly ? Il fait chaud ici. C'est ça, it's getting hot in here. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas une référence que tu peux mettre en mode intellectuel. C'est que tu veux mettre en mode. Tu vois, qu'il est venu, il a dit des choses, il vient, il a une histoire et tout. Tu dis, Nelly. Faut tu dire. Vois c'est son vécu. Non, je parle. Parce qu'il a dit les anciens. Non, il a dit les anciens. Je parle d'image. C'est-à-dire que quand la fierté du Renoir, tu vas la trouver à travers des. Comment dirais-je des footeux. Par exemple, l'équipe 98, par exemple. Zéro! Tu vas... Zéro! De Sailly? Lilian Thuram, c'est arrivé tard. Parce qu'il faut qu'on finisse. Il a fait les soins avec ses fios. C'est là où on a dit. Ah bon, les homonymes, les homonymes. Sinon, avant ça. Les homonymes. Attends, réponds rapidement, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on finisse. T'as à peine la dizaine, etc. T'as besoin de t'identifier à quelque chose qui te ressemble. T'es d'accord avec moi ou pas? Maintenant, je vais terminer. C'est-à-dire que maintenant, on voit des mecs, des carrés qui sont là, qui pèsent et tout, etc. La grosse machine, des gros clips, des gros budgets, etc. C'est à ça que tu t'identifies au départ. Moi, je suis d'accord pour dire Passy Bissana Bisso. Ouais. Je suis d'accord pour dire Maxi System. Je suis d'accord pour dire Booba. Moi, personnellement, je me suis reconnu à travers Ruff, à travers ses lyrics. Bien sûr. Plutôt, Ruff a raconté ma vie. Il parlait de mon père, de ma mère. Pour ceux qui connaissent Jamais ton enfant, c'est un des morceaux qui m'a le plus transcendé, ce morceau-là. Et. Je termine, t'inquiète. Oui, il faut terminer, les gars. Et au départ, tu regardes des sportifs et tout. Moi, après, j'ai regardé plutôt des sportifs, des musiciens, ok, pas de problème. Après, tu t'identifies à deux types de personnes qui sont qui font des grandes choses dans ce monde. Et après, c'est les entrepreneurs qui m'ont plus marqué, des Samba Batili, des Dangote, des tous ces gens-là, etc. Donc, je pense que chaque moment, tu essaies de t'identifier à des gens pour essayer de gros répandants, tu vois. Et c'est juste ça que je te dis. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. C'est vrai que. Okay. Vous avez trouvé un consensus. Non, c'est vrai, on s'inspire de tout le monde. Voilà. Okay. C'est vrai. D'ailleurs, moi, pour finir, c'est ça qui a fait que j'ai lancé ma marque de vêtements parce que j'étais en pleine recherche identitaire à 25-26 ans. Mm-hmm. Et quand j'ai découvert le livre Nation et Agriculture et que j'ai découvert que les Soninkés venaient d'Égypte, etc., moi, ça m'a complètement transcendé et je dis non. Et en même temps, mon père et ma mère, ils m'ont raconté toute leur histoire et je me suis dit. Je vais créer une marque de vêtements qui parle des Soninké, qui parle des Westaf, qui parle de la culture subsaharienne, et c'est comme ça que j'ai créé Africanista. Magnifique. Les amis, pour revenir vite fait sur Booba, sachez que moi qui suis quarantenaire et né en 80, parce qu'en réalité, Booba, on l'écoute depuis 94. Nous sommes en 2024. On est de la même génération. Et voilà, c'est-à-dire que dans l'album Lunatique, Mauvais œil, nous, c'était la première fois qu'on entendait un mec te citer le Sénégal. Juste le citer, nous, plein de Sénégalais, là, on était en mode, on ne disait pas, on disait, ah ouais, frère. Et il nous rend fier, là. Et il y avait des Noirs à la télé, hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu vois ? C'est-à-dire que quand même, Ali de Lunatique, ouais. Qui est maghrébin, mais qui en fait a de la famille noire, parce que moi, je parle avec lui. Ah ouais ? Ses grands-parents, ils sont noirs. D'accord. Je veux dire, quand ils disent Maroc, Sénégal, Ali. Mali. Et moi, j'étais comme ça, je me disais, mais frère, et dans le rap, c'était très rare que. Parce que le rap français, il était très. Les mecs, ils parlaient du quartier, ouais. À part la mafia Kinfri,
Ouais. Les mecs, ils parlaient du quartier, mais ils n'allaient pas vraiment vers leurs origines. Enfin, ils parlaient pas vraiment de leurs origines. Ouais. Et même quand Bisson Abisso sont arrivés, ils ont été moqués, Bisson Abisso. Leurs gars, ils leur ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous mélangez? Les influences de la musique de vos pays. C'est les ancêtres de l'afro-trap. Pour moi, c'est les premiers, même. Mais bon, quoi qu'il en soit, les amis, on va faire une seconde partie en septembre. Et parce qu'on a plein de choses à se dire. Et merci à vous. Il y en a qui sont restés sur leur faim. Là, je suis clairement resté sur ma faim.